Bonsoir, Madame Mouloud. Bonsoir, mademoiselle. Comment allez-vous, ma petite demoiselle là? Et bonsoir à tous, et oui, à qui avons l'air d'en faire une vidéo avec Yalate. Yalate. Yalate, 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 Mente. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Family Simulator aujourd'hui. Tu me prends qui là? Là, tu me prends qui? Enfin, je vais m'apprendre comment faire des. Voilà quoi. Ouais, voilà. Devenir un pro de, ouais, de la ferme. Voilà, c'est donc, ça. Les gens, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à rejoindre le réseau sur Facebook, Twitter. Et nous, on va avoir une ferme de malade, vous verrez. Il est fort, hein. Aujourd'hui, les gens, on se retrouve une fois de plus sur Farming 2017, dans notre petite, que dis-je, Sofiane, notre grande exploitation agricole. J'ai ma petite stagiaire qui est avec moi, mademoiselle Mouloud. Bonsoir, comment allez-vous? Enchanté. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, vous êtes tout en beauté aujourd'hui. Je vous fais les 4 bis. Ah, bah, mouah. Voilà. Voilà. Bienvenue. Donc aujourd'hui, les gens, nous avons changé de map. Un petit vent de fraîcheur, du renouveau, un petit peu, une nouvelle map avec mademoiselle Mouloud. Et cette fois-ci, grosse nouveauté, j'ai envie de dire, très grosse nouveauté. C'est-à-dire qu'avec Sofiane, on part de zéro. Voilà. Exactement. On part de rien, en fait. On le verra. C'est-à-dire que fini les cheats avec 6 millions d'euros, là, on a lancé une partie de zéro. Voilà. Là, c'est la hache. C'est-à-dire qu'on a 25 000 euros, point barre. Alors, comment ça va se passer, ma petite mademoiselle Mouloud? Quand on va repartir de rien. Bien sûr, les gens, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous kiffez farming. Parce que nous, avec mademoiselle Mouloud, on aime ça. On adore farming. Bien sûr, je vais me suicider. Au revoir. A bientôt. À bientôt. Et oubliez pas le petit AG2A si vous voulez acheter mademoiselle Mouloud. Alors, ce truc, monsieur, déjà, ce qu'on va faire, je pense qu'on va aller labourer peut-être un champ. Attends. Je regarde déjà sur la map, qu'est-ce qu'on a comme champ à nous? 14 et le 19. Je pense que ce qu'il va nous falloir, mademoiselle Mouloud, si vous le voulez bien, c'est une petite moissonneuse batteuse, je pense. Eh ben, ça tombe bien, il y en a une là-bas, monsieur. Si vous voulez bien monter dans votre moissonneuse batteuse, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, où est-ce que t'es? Voilà, je viens vous chercher. Je viens vous chercher. J'arrive tout de suite, je viens vous chercher. Merde. Toi, tu vas me passer ton tracteur. Et moi, je vais faire la récolte des blés. Et vous, monsieur, vous allez moissonner. Voilà, si ça vous va comme ça, ce sera parfait. Bien sûr, mon petit monsieur. Mademoiselle Mouloud, si vous voulez bien venir par ici, s'il vous plaît. Bon, j'arrive. Merci. Oui. Voilà. Il faut, normalement, t'as les touches en haut à gauche, t'as vu? Déplier la buse, atteler, pilier... Voilà, donc déjà, tu attelles. Voilà, allez. Bravo. GG, un petit pouce bleu pour mademoiselle Mouloud. Pas peu fier, qui vient. Bah, bien sûr, je suis fier de toi. Mon fils, mon enfant, t'es mon fils, quoi. Voilà. Maintenant, normalement, je pense que c'est sur B, je crois. Activé. Tu dois avoir une touche activée. Je vais d'abord déplier l'équipement de moissonneuse. Ah! Voilà, monsieur! Et t'avances et tu fais par système de balayage, ma petite dame. Voilà! Allez, regardez. Tu vas faire des extraits ou pas? Ah, bah, c'est magnifique, Sofiane. J'ai tellement envie de chialer quand je te regarde faire, tu vois. C'est mon enfant, c'est mon fils, ça, j'en suis fier. C'est mon enfant, ça. Derrière, je laisse du jus, donc. Ouais, mais c'est normal, tu laisses du jus derrière. C'est normal. Et t'inquiète pas, moi, je vais le ramasser après le jus. On va le ramasser. Donc, ce qu'on va faire, Sofiane, c'est que pour commencer, va falloir que tu moissonnes un petit peu de champ, tu vois. Ouais. Ouais, et tu fais par système de balayage, monsieur. On va ramasser le jus alors. Non, moi je peux pas ramasser le jus pour l'instant. Et non, monsieur, ça marche pas comme ça. Ah. Oublie pas de relever ta moissonneuse quand tu tournes. Voilà. Regarde, espèce de porc, regarde, quel T'inquiète porc pas, c'est bon. Voilà, cochon. Et du coup, va falloir tout moissonner comme ça. Alors, oui, monsieur. Alors tu continues. Et peut-être que, attends, moi je vais voir ce que je peux faire de l'autre côté éventuellement. Alors, bien sûr, Sofiane, en bas à droite, t'as vu, tu as une jauge. Oui, ça va 100%. 100%, ça m'étonnerait. Ah non, 13%, pardon. Ouais, je préfère, oui. Voilà. Dès que ta jauge avec l'épi de blé, normalement, elle est bleue, je crois. Oui. Dès que ta jauge avec l'épi de blé, elle est pleine, tu me le dis, et moi, je viens décharger ta moissonneuse. Alors là, à ce moment-là, il faudra que tu déplies la buse. Ah, vous inquiétez pas, on est des farmeurs, mon vieux, mais... On nous appelle comment dans le domaine, Sofiane? Alfamore. Alfamores. Alfamoso. Je peux vous dire, en Espagne, on a peur de nous. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? On nous appelle Mylène, les Mylènes du métier. Ah, mais voilà. Je vais en avoir pour 2 jours pour faire tout ça. Bah non, Sofiane, 2-3 jours à peine. Je pense qu'on va acheter un endéneur, cochon, pour commencer. Oh, putain, c'est cher, quoi. Elle a du mal, le camtar. Hein. Oh là là, c'est trop cher. On devrait se faire des petits poulets, moi, je dis. Crac. Ouais, des petits poulets, monsieur. Pour qu'on fasse des tenders, ça prend les branquets. Ouais, mais tu sais que je t'ai donné les autorisations. T'as le droit d'acheter des poulets si tu veux, monsieur.
Avec quel argent? Hein? Bah tu te démerdes par contre là. Voilà. Alors nous ce qu'on va faire, pendant que Mademoiselle Mouloud est en train de moissonner, c'est que Sofiane, je vais aller au magasin et je vais aller chercher mon petit endaineur. C'est quoi ça, un endaineur? Et ben en fait si tu veux l'endaineur, ça va être pour... Tu vois, tu laisses des lignées de paille derrière là. Ouais. Et ben en fait l'endaineur ça va servir à les réunir, il me semble. Ah. En fait, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et c'est tellement... Oh putain, oh lolololo, je vais passer par là, mon vieux. On peut se noyer dans le jeu ou pas? Bah disons que toi, je crois pas que tu peux te noyer. Moi, je suis pas sûr. Mais par contre, tu peux noyer les tracteurs, oui, effectivement. Ah bah monsieur. C'est RP, ça va. Ouais, bah oui, c'est RP, oui. On peut pas débrider la moissonneuse batteuse pour, pour qu'elle aille à 70. Ouais, si tu veux, au pire, on démarre GTA 5 et puis on fait les moissons RP. Comme ça, moi, on moissonne tout en 2 secondes, tu sais. Ouais, comme ça, on moissonne tout en 2 secondes. Tranquille. Tranquille. Ouais, on peut faire ça éventuellement. Voilà. Dites-nous dans les commentaires, bien sûr, s'il y a moyen de débrider les moissonneuses. Ça se trouve, ouais, Sofiane, t'as lancé une petite blague comme ça, mais peut-être que les gens ils savent. Peut-être qu'il y a moyen. Il y a moyen. N'hésitez pas à nous le dire, les gens, dans les commentaires, s'il y a moyen qu'on débride les moissonneuses batteuses. Mais non, mais. J'ai fait une connerie. Je suis venu chercher l'ordonneur, mais je suis venu avec une remorque. Ah bah oui. Je veux bien que tu viennes chercher la remorque, ma petite dame, s'il vous plaît. Engage un ouvrier pour les moissons, là. Cochon, il va chercher la remorque. Mais il va faire qu'un seul tout droit, tu vois. Il va pas en fait continuer à faire tout. Mais non, si, bah bien sûr qu'il va faire tout. Tu rigoles? Non, je te jure, je l'ai engagé. Après, il a fait la ligne, après il a arrêté. Non, la vérité, non. La vérité, il a fait qu'une ligne, après il a arrêté. Non, je te jure que non. C'est parce que... Non, c'est parce que t'es mauvais. C'est... Je te jure. Viens chercher la remorque, monsieur. Je suis venu avec une remorque, moi. Bon, j'arrive. Ah, pour l'instant, on la laisse là-bas, on ira la chercher plus tard. Ah bah non, je vais en avoir besoin, monsieur. Bah je finis ma moisson. Et bah justement, et quand t'auras fini ta moisson, faudra pas une remorque pour récupérer le blé. Hein? Ah alors bah oui. Alors ah bah oui. Monsieur, alors? Ah bah oui. Hein? Ah bah oui. Entends-moi, hein. Entends-moi ta grande gueule, hein. Faut arrêter ça. Par contre, c'est à 80%. 80%? 70, bah, en fait. Bah ça va, il reste 20%. Par contre, il avance tellement pas ce tracteur, mon vieux. Mais en même temps, bon les gens, j'ai envie de vous dire, on est dans les débuts, c'est le tracteur du début. Là, mais plus on va avancer avec Sofiane, avec Mademoiselle Mouloud, si je puisse vous appeler ainsi, ma petite dame, plus on va monter dans les échelons et on aura des véhicules des de compète. Plus on fera des milliards. Plus on fera des Formule 1. Là. Ouais, voilà. Voilà, à la fin, on fera les moissons en Porsche, mon vieux. T'inquiète. Eh, tu sais qu'il y a des moissonneuses Porsche? Ah bon? Il me semble, ouais, même dans le jeu. Attends, non, je te raconte des conneries. C'est Porsche ou Lamborghini? Je sais plus. Il y avait eu Mercedes. Non, mais je te raconte pas de conneries, monsieur. Hein. Ou alors c'est un tracteur Lamborghini. J'étais sûr qu'il y avait soit des moissonneuses Porsche ou Lamborghini, je sais plus, putain. Voilà. Ça avance bien, les pros, dites-nous dans les commentaires. J'étais sûr que j'ai vu un tracteur Lamborghini quelque part, mon vieux. Je vais te montrer à quoi sert l'endaineur. Tout simplement. Ton outil. Bah, je l'ai, mon outil. Et le deuxième? Bah, le deuxième, c'est la remorque. Bon, bah, vas-y, putain, seigneur. Lâche-le là bon, et bah, vas-y, je le laisse là, alors. Mais fais tes moissons, là. Fais-les bien, là. Bon, je vais chercher la remorque. J'arrive. Maintenant, monsieur, tu vas passer à une autre tâche, cette fois-ci. Ah. Ouais, moi, je suis là pour t'apprendre, moi. Je suis là pour t'aiguiller, mon fils. T'inquiète pas. Je te laisserai pas de côté, mon enfant. Je vais te prendre sous mon aile. Ouais. Je vais t'aiguiller, monsieur. Tu vas prendre mon tracteur. Et je vais te montrer comment ça se passe. Et tu vas aller vendre le blé. C'est vrai, monsieur? Bien sûr, monsieur. Tout à fait. Regarde, t'as 10 mètres, mon vieux. T'as 10 mètres de la remorque, là. Garde ça. Je suis pas à 10 mètres, ah, là. Ah ouais, tu fais tout par terre, là. Voilà, stop. Freine. Voilà, monsieur. T'as vu, alors. Maintenant, alors, on échange. Alors, toi, tu prends le tracteur. Moi, je prends la moissonneuse. Attends, elle est pas encore vidée. Non, mais je sais. Une fois que c'est plein, toi, tu vas appuyer sur N. Tu vas bâcher la remorque. La moissonneuse est vide. Viens prendre... Je vais aller chercher mon truc. Ouais, voilà. Tu prends le tracteur, tu vas chercher ton truc. Regarde le Hess. Alors, en fait, si tu veux, il y a deux possibilités. C'est soit on l'entrepose dans notre silo pour aller les revendre plus tard, soit on va les vendre directement dans un truc. La Hess. Ouais, voilà. Bon, bah, alors, attelle, cochon. Et je vais te dire où est-ce qu'on va les vendre. Je vais même te dire où est-ce que ça s'achète le plus cher. Ça va être l'élévateur à grains. Ouais, bah, écoute, attends. Cochon, on va aller à l'élévateur à grains. Déjà, je vais voir où c'est sur la map. Putain, mon vieux, tu carbures avec ton tracteur, là, non? Je suis à 500. J'ai l'impression que tu carbures plus que moi, là. T'as 60, moi. Comment ça, t'as 60? De toute façon, tu vas voir. Bouge pas, j'arrive, toi. Bouge pas, tu vas voir. Tu vas voir comment qu'elle va sauter ta remorque. C'est une menace? Tu vas voir comment qu'elle va sauter ta remorque. Regarde là. La carte. Vas-y, ah bah, là. On est des mauvais côtés. Avance, là. Comment ça, on est du mauvais côté? Mais non, c'est tout droit, cochon. Moi, je sens, on va tomber dans l'eau, on va perdre tout. Mais non, mais je connais un raccourci, t'inquiète. C'est parce que tu connais pas les raccourcis.
N'oublie pas que j'ai une remorque, hein. Mais suis-moi. Oh, t'es tombé. Non, c'est bon, je suis relevé. Ouais, mais le blé va tomber si je te fais. Non, t'inquiète, ça passe, mon vieux, ça passe. Eh, hey, on a des tracteurs, mon vieux. T'as bien avancé. T'as vu, tu le vois le point en l'air? Bah non, t'as pas posé de point dessus, toi. Bah non. Moi, je vois, ça fait un grand rayon vert. Vas-y, là, je vais t'apprendre comment qu'on négocie du blé, moi. Voilà, tu montes là-dessus. Oh. Non, tu montes sur la rampe. Oh là là, quel porc. Enlève la bâche, cochon. Tu mets la remorque sur le truc d'égout. Ouais. Hop. Non. Ah, j'ai recule. T'inquiète pas. Stop. Voilà. Et là, tu décharges. Normalement, ça doit être U ou T. Faut. Voilà, ça doit être I. Voilà, monsieur. Voilà. Et regarde l'argent. En haut à droite. Voilà, on a gagné 7400 balles quand même. C'est pas rien, hein. Pas d'argent. T'as pas d'argent? Ou mais paye-moi, paye-moi. Dégage, alors, dégage. Dégage de là, t'as. Dégage paye-moi. Chez moi. Dégage chez moi. Allez, je rentre à la maison. Il est où l'endaineur? Il est là-bas, dans le coin. Il est là. Voilà, on va bien endainer tout ça. Par contre, j'ai acheté l'endaineur le moins cher, quoi. T'as vu, du coup. Et ça t'a coûté combien? 9000 balles, monsieur, 9000 balles. Alors, et c'était le moins cher. Alors, il coûtait combien? Alors, hein? Hein? On l'entend là ou on l'entend moins là? Hein? Ça veut dire en fait, t'as utilisé ton argent et pas mon argent. Ça veut dire, moi, il me reste encore plein d'argent. Ça va. Mais toi, t'as zéro, toi. Oui, mais. Si on calcule notre argent. Comment ça, on calcule notre argent? C'est tout calculé, hein? Moi, je veux pas pour moi, zéro pour toi. Moi, je fais pas d'argent dans ton ordinateur de merde. Voilà, tiens, regarde l'endaineur là. Je suis en train de le faire là, l'endaineur là. Déployer et B, activer endaineur. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on endaine, monsieur. En fait, si tu veux, c'est pour faciliter. Bah, pour faciliter la prise du foin quand tu vas faire des balles, quoi. Monsieur. Ah. Moi, j'y connais rien. Hein, hein? Alors, et moi, tu crois que j'y connais quelque chose? Hein? C'est pas le pro. C'est à peine si je sais traire une poule. Ah bah moi je sais traire une poule. Hein? Oui, oui, tout à fait. Alors, monsieur oui. Traire des oui, poules. Oui, monsieur traire des poules, oui. Et alors, ça vous pose un problème? Oui, ça pose un problème. Comment tu alors, fais? Alors, voilà. En fait, je pense que c'est toi qui dois partager les gains. Comment ça, partager? Partager quoi? Les gains. Quand quel on vend un truc. Je sais pas, tiens. Alors là. Je sais pas, tiens, moi. Je sais pas d'argent. Je demande d'argent là. Ah. Attends, j'engage un ouvrier. Ah, mais toi aussi, t'es une petite femme. Mais je suis une petite femme, moi. Bah, t'es magnifique en plus, hein. Avec un petit gilet de. Sérieux? Attends, ouais. J'ai engagé un ouvrier ou quoi? Bah, ouais. Ah, mais c'est la femme, toi. Bah, ouais, moi je suis là. Ah. Mais regarde, mais elle fait n'importe quoi, elle là. Je vais voir comment qu'elle s'en sort. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme presse à balles, quoi? Le groupeur de balles facilite le ramassage des balles. 25 000. Non. Mais il est trop cher, de toute façon. Vas-y, blinde. Avance encore. Voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà. Regarde, je peux te faire un prank. T'as vu? Ouais, je suis des pranks et tout comme ça. Vas-y, cochon, là, faut aller vendre ça, là. Vas-y, suis-moi, là. Laisse-moi, c'est moi qui a tout pris à l'extérieur de mon front. Laisse-moi ça. Suis-moi, là, faut aller le vendre, là. Laisse-moi-le. Vas-y, bah, vas-y, là, prends-le. Tiens, prends-la, t'as un manque de merde, là, c'est bon, là. Je préfère. Ouais. Vas-y, là, je préfère. Ah ouais? Je m'en fous, tu sais quoi? Je crois que je vais acheter une bagnole, franchement. C'est ça, ouais. Avec ton argent. C'est quoi? Attends, c'est quoi le truc pour ensemencer? Ah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai ramené. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça pour ensemencer, non? Faut que vous nous dites dans les commentaires c'est quoi ces deux machines. Celle-là. Dites-nous ce qu'on doit faire dans le prochain épisode. Ouais. Comme ça, bon, voilà. Celle-là. Celle-là et. Alors, celle-là, je crois que c'est un laboureur. Je crois que c'est laboureur. Par contre, celle-là, j'ai un doute. C'est quoi ces deux machines? Quelles sont ces deux machines? Bon, les gens, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode sur farming avec Mademoiselle Mouloud. Franchement, on regarde, on s'est fait de l'argent, hein, cochon. Hein. On s'est fait 3000 euros dans cet épisode. Ce qui est tout de même pas mal. Et on a acheté un ordinateur. Où est notre argent là que. Et on a acheté. Dégage de là. Où dégage est mon de argent là. Dégage de là. Mon argent. Voilà. Je crois que. Je suis pas sûr que ça c'est pour semer les graines. Je sais pas. On attend tous vos conseils dans les commentaires, les gens. Et dites-nous, balancez-nous un petit objectif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le prochain épisode? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour s'en sortir? En sachant que vous avez vu, on est parti de rien. Enfin, plutôt de pas grand-chose. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur celle-ci. Et nous, on vous dit à la prochaine. Et ciao tout le monde. Au revoir tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir.